Encore une dure journée, restée coincée dans les embouteillages aux heures de pointe à la sortie du boulot. Quelle galère. Mais venez donc vous installer sous cette vidéo tranquillement avec moi. Aujourd'hui, c'est satisfaction et relaxation. Faites comme moi, inspirez par le nez. Mettez un like. Et expirez par la bouche. Et bien sûr, abonnez-vous pour ouvrir vos chakras si ce n'est pas encore fait. La vidéo de slime la plus satisfaisante dans le monde. Mon Dieu Seigneur, mais regardez-moi cette satisfaction. C'est... Il est quand même ultra chelou, son slime. On dirait qu'il a des espèces de crépitements et tout. Et dites-vous que tout ça, c'est fait en slime. C'est quand même un truc de ouf, mais c'est tellement satisfaisant. Je pourrais regarder cette vidéo pendant 24 heures. Bingo, j'ai trouvé le titre. Tu vois, c'est le genre de vidéo que tu regardes comme ça. Est-ce que vous ressentez cette satisfaction en vous? Est-ce que vous ressentez cette relaxation? Moi, perso, ça me... Eh, mais attendez, mais j'ai un bout de slime par là. J'ai toujours des bouts de slime qui traînent. Tu vois, moi aussi, je vais sortir ma satisfaction. Oh, putain, mon pote, ça fait tellement longtemps qu'il est resté dans le coin du bureau. Je pourrais le péter en deux tellement qu'il est sec, le slime. Je crois que mon slime a un souci. Il est vraiment beaucoup trop sec, mon pote. Je pourrais tellement... Je pourrais tellement le... Péter en deux, quoi. Tu te dis quand même, quand tu regardes des trucs comme ça, c'est carrément de l'art, quoi. Tu vois, je veux dire, faut quand même du temps pour confectionner un truc comme ça en slime. Bon, quoi que là, on part quand même sur un truc assez basique. Mais il y en a, faut vraiment beaucoup plus de temps que ça ou quoi. Pour au final en faire ça, regardez ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le moment le plus satisfaisant de la vidéo. Quand il se met à tout broyer d'un coup et tout, là, c'est... On dirait de la pâte à modeler. C'est dingue, j'adore. Tu es en admiration totale. Chéri, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Tu veux un petit peu de colle sur ton pancake? Tu vas voir, ça se digère vachement bien. Ça passe crème. C'est chaud. Eh, mais c'est en slime, ça? Il y a des fois, franchement, tu peines à voir que c'est en slime ou quoi. C'est appétissant quand même, tu vois. Moi, j'aurais envie de le manger, là. Là, j'ai envie de le manger, là. Regarde ça, quoi. Putain, tout ça pour faire ça. Il a mis combien de temps à confectionner son truc? Et encore, là, je vous dis, hein, on part sur un truc qui est plutôt basique, quoi. Mais il y a vraiment des trucs, vous allez voir. On va avancer un petit peu dans la vidéo. On va trouver des trucs. Regardez, popcorn. Popcorn en slime. Et ça, par contre, c'est tellement... Oh là là. J'ai tellement envie de mettre mes doigts dedans, tu vois. Non, mais sérieux, quoi. Je pourrais vous faire un petit truc en ASMR là-dessus, tu vois. Faudrait que je règle mon micro comme ça. Attention. Voilà. Et nous voilà en mode ASMR. On peut faire la vidéo comme ça. Ça passe bien, je trouve. Faut vraiment que je parle pas fort. Oh non, mais c'est tellement... Excusez-moi. Non, mais c'est tellement bien fait, franchement. Mais c'est un truc de ouf, quoi. J'ai... Putain, c'est con, j'ai pas... J'avais des petits pots de slime, moi aussi, pour me détendre pendant ma vidéo. Là, déjà, on part sur un truc, quand même, avec de la feuille d'or et tout. Ouais, arrive un moment, il va juste... Là, t'as juste envie de le prendre, son gâteau, tu vois. Tu le prends une main comme ça et tu le broies d'un coup, quoi. Allez, vas-y, mais il va le faire. Il va le faire. Même, ça se trouve, ça a bougé, là, en slime. Non, impossible, mon gars. Allez, broie-moi tout ça. Voilà, il met des petites décorations. Allez, encore deux, trois petites paillettes, tu vois. Ça reste plutôt appétissant, quand même, hein. Heureux. Non, franchement, ça me libère mes chakras, ça me détend, tu vois. Je suis sûr que vous aussi. Il y a des fois, il y a des vidéos, faut pas réfléchir, faut les regarder, ça te... C'est fait pour te vider, tu vois. Ah là, plus vidé que ça, tu meurs, quoi. Il est pas beau, on dirait un espèce de steak tartare à la béchamel ou je sais pas quoi. Ah non, il est vraiment pas beau, mais attendez. Quand il va le prendre dans ses mains, genre, il prend bien soin quand même d'enlever le... Ah ouais... Oh, ça dégouline tellement, quoi. Cette dégoulinance totale. Ah, là, on part quand même sur quelque chose de bien, tu vois. Là, on part sur quelque chose de chaud à réaliser, je pense. Eh, mais moi, je vous jure, je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est un truc de ouf. Moi, il n'y a pas de souci, mon gars. Tu me donnes un challenge 24 heures, regarder des vidéos de slime, machin. Je te le fais. Bon, au bout d'un moment, je m'endormirai très certainement sur la vidéo. À 10 000 likes, je le fais. À 10 000 likes, j'ai juré, je le fais. 24 heures, je regarde une vidéo de slime. 10 heures. 10 heures, pas plus. Faut pas déconner quand même. Peut-être 24 heures. À 20 000, 24 heures. Oh, regardez ça, il nous avait tellement préparé un petit plat de poulet et tout. C'était tout. C'est beau. C'est beau. C'est... Bon, c'est moins beau comme ça, mais... Oh là là, il mélange tout, mon gars. Mais quel goulard, quoi. Homemade. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Chicken rôti et nouilles. Qu'est-ce qu'il nous fait?
Mais gros, mais c'est pas du slime ça. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du slime? Ah putain, si, c'est du slime. Terrible. Vous aussi, n'hésitez pas à dégouliner avec moi de satisfaction dans les commentaires. Dites-moi clairement si ce genre de vidéo, c'est satisfaisant. Moi, perso, je kiffe de ouf, quoi. Ça, c'est beau, franchement. Oh, c'est tellement beau, ça. Genre, tu vois, des petits cornflakes et tout, là, avec des petits bouts de framboise et tout. Mais tout ça en slime, quoi. C'est magnifique. La satisfaction est présente. La satisfaction se lit sur mon visage, quoi. Non, vraiment, je... J'ai les bras qui dégoulinent de satisfaction, là, c'est un truc de ouf, quoi. Mon corps tout entier dégouline de satisfaction. Ah, regardez ça, c'est beau, quand même. Ça, j'en ai des petits bacs comme ça de... Ouais, j'ai un petit pot de slime comme ça qui ressemble un peu à du miel et tout. Je l'ai jamais touché, en plus. Ouais, je l'avais gardé pour une grande occasion. Celle-ci, par exemple. Mais bon, manque de bol, je le retrouve pas. C'est dommage. Oh! Terrible. Oh, des merde, comment que t'appelles ça? Des, pas des tacos, des oh putain, des triangles. Excellent, t'as envie de le manger avec une petite sauce samouraï et tout là. Oh, terrible, terrible quoi. What the fuck, c'est quoi ce bruit derrière? Il y avait un espèce de taureau. Non, c'est pas vrai, mon gars. Des pêches en boîte. En slime. Putain, mais carrément, mais... Ils redoublent d'ingéniosité, quoi, les inventeurs de slime, là. Non, mais c'est terrible. Petite boule de glace et tout. Vous voyez, je parle doucement et tout. Ça me fait parler doucement. Ça aussi, c'est satisfaisant, ça. Regardez. Oh. Oui. Là, vraiment, on est dans la satisfaisance totale, quoi. C'est une main collante. Terrible. Oh, non! Des petits légumes et tout. Ils rajoutent un petit peu de slime dessus. Oh, terrible! Vraiment, quoi. Ah non, mais c'est... Excellent, quoi. Trop fort. Oh là là. Eh, franchement, en vrai... En vrai, il a dû mettre du temps à faire ça, tu vois. À moins que ça s'achète... Je suis sûr que ça doit s'acheter, genre, tu vois, des plats prêts à slimer en slime, quoi, tu vois. Des plats prêts à slimer. Ça doit s'acheter, ça se trouve. Juste histoire de te satisfaire, tu vois. T'achètes des plats comme ça, tout fait en slime. Le mec, il s'est fait chier à faire ça pendant des heures, quoi. Non, parce que vraiment, il y a des fois, t'as des trucs comme celles qu'on vient de voir juste avant, là. Fallait vraiment... c'était chaud, quoi. Attendez, je vais vous montrer un autre truc de satisfaisant. Ça, c'est satisfaisant. Mais attention, c'est super chaud, mon gars. Vous allez être satisfait de ouf quand vous allez voir ça. Oh! Wow! C'est magnifique. Ça aussi, c'est satisfaisant, franchement. Oh, j'ai loupé le moment. Attendez, j'ai loupé le moment satisfaisant. Oh non, mais regardez ça, quoi. Mais c'est tellement... C'est tellement bien foutu en vrai. Franchement là, vous me faites des trucs comme ça, je vous envoie mon adresse, vous me les envoyez et moi je les écrase comme ça en vidéo là. Ce serait tellement... Ce serait un rêve. Un rêve éveillé quoi. Avec les petits, tu vois, les petits bruits et tout, j'aime bien. Ça claque bien quoi. Oh comme c'est mignon! Il nous fait une petite pizza. Petite pizza à l'italienne. Oh, elle est magnifique. T'as envie de la... T'as envie de la sursauter comme ça. Avec un petit peu de persil. Ah là, ça ressemble plus à une pizza là. Il a tout pété le mec. C'est comme ce genre de truc, c'est pareil. Alors là, on part totalement à côté du food slime. Mais il y a des gens qui comprennent pas... tu vois, ils disent, ils voient pas l'intérêt. Mais franchement, mais c'est... Regardez. Regardez les mecs. Moi, je le vois l'intérêt. Il est tout là l'intérêt. C'est que c'est... C'est tellement satisfaisant, c'est tellement lourd. C'est excellent, quoi. Pareil, il doit y avoir des savons qui se vendent comme ça, déjà pré-coupés pour... Tu vois, regarde. Non, faut avouer que c'est... c'est bien, quoi. C'est bien. C'est bien pourri.
C'est beau. Mayday, mayday, je crois qu'on m'a perdu là. Non, sérieux, je vous jure, je suis omnibulé par ça, je pourrais... Il n'y a pas que ce genre de vidéo, il y en a encore plein d'autres que je regarde avec la bouche ouverte, la bave aux lèvres, comme ça, sans réfléchir. C'est vraiment... C'est beau, quoi. C'est YouTube, quoi. Tu vois pas ça à la télé, tu vois. En même temps, je sais pas si ça marcherait, tu vois, aux heures de grande écoute sur TF1 à 21h à la place du film. Voilà, ils te foutent une heure et demie de ça, comme ça. Mais il n'y a personne qui parle, tu vois. Ils te foutent ça comme ça à la télé. Ça se trouve, va savoir. Va savoir qui ferait pas péter les audiences, mon gars. Tu vois? Voilà, Gilles Boulot, au lieu de te présenter les informations, il se met tranquillement devant sa caméra, il parle pas, et puis il t'épluche un savon. Regardez ça, c'est joli. C'est beau, c'est de l'art, c'est poétique, c'est mignon. C'est... Aïe. C'est sale. C'était mignon, tu vois, ces petits poissons, j'aimais bien quand elle a commencé à les couper, là, et à prendre... Regardez ça, mon vieux, comment qu'elle le dépiote, ce pauvre poisson. C'est magnifique. À 10 000 likes, j'ai juré, à 10 000 likes, on se refait un épisode dans le même genre. Mais on de la ASMR. À 10 000... À 10 000 likes. On se le refait, mais en mode ASMR. Bon, sur ce, écoutez, portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde, bye. Satisfaction totale. Je suis relaxé, là. Je dégouline de relaxation. Thank you.